Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. En recherchant Français dans le monde. Ben après c'est facile. Voici 60 secondes expat. Préparé et présenté par Louisiane. Bonjour à tous. Commencer un business aux Philippines, c'est le bon plan. Déjà parce que l'archipel est une des économies les plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Et puis aussi parce que la Chambre de commerce et d'industrie France-Philippines pourra vous accompagner dans votre processus. La CCIFP, qui compte 174 membres, est un réseau de soutien et de conseils pour tous les entrepreneurs français ou philippins. Créée en 1988, elle a commencé comme club d'hommes d'affaires français, puis est devenue une organisation indépendante et à but non lucratif. Leur conseil d'administration est composé de professionnels de divers secteurs. L'organisation se veut alors diverse et inclusive. Les comités de la CCIFP couvrent eux aussi des domaines variés, infrastructures, développement durable, affaires maritimes et soutien aux jeunes entrepreneurs. Ces comités sont des espaces de partage d'expériences et d'aide pour surmonter les défis locaux. Alors que vous ayez une entreprise déjà bien établie, comme L'Oréal ou Airbus, ou une start-up qui débute, la CCIFP vous aidera à gérer ou agrandir votre entreprise, notamment en partageant son réseau professionnel dans le pays. Les Philippines continuent de montrer une forte croissance économique avec un PIB en hausse de 5,6% en 2023. Les relations commerciales entre la France et les Philippines sont solides et la CCIFP veille à partager les dernières informations économiques et législatives des deux pays. Des études de marché aux missions de prospection, en passant par l'accompagnement à la création d'entreprises, tout est fait pour faciliter votre succès aux Philippines. Alors que vous cherchiez à augmenter votre visibilité, développer votre réseau ou simplement échanger avec des experts locaux et internationaux, la CCIFP est là pour vous. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous à la version écrite. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr